Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit live de présentation des No Toons. Du coup, ça fait un moment que vous en entendez parler sur les réseaux. Donc du coup, j'avais envie de vous faire un petit live pour présenter l'univers, tout ça. Les No Toons, ce que je suis en train de faire en ce moment, et depuis un certain temps déjà, c'est un univers que je suis en train de créer autour de petites notes de musique élémentaire. Donc feu, air, terre, eau et plantes. C'est parti du coup d'un croquis que j'avais fait, qui est là. Donc c'est un petit croquis d'une note de musique en feu que j'avais fait comme ça. Et je l'ai trouvé vachement, vraiment, vraiment sympa en fait. Je trouvais qu'elle avait une bonne tête, cette note de musique. Et le truc, c'est que je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai laissé un peu mijoter dans mon carnet de croquis. J'ai continué ma petite vie, hein, en gros. Et puis, bon, quelques mois plus tard, j'ai eu envie d'en faire d'autres. Et donc, j'ai créé une note d'air, une note d'eau, une note de plante. Sans trop savoir quoi en faire encore. Puis plusieurs mois plus tard est venue la note de terre. Et comment dire,
J'ai mon écho dans mon écouteur, je ne comprends pas pourquoi. Bref. Et donc oui, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire de ces petites notes de musique. Donc je commence à réfléchir. Ça faisait un moment que je voulais faire un projet qui me tiendrait à cœur, qui me parlerait, qui serait dans mon univers. Donc vous n'êtes pas sans savoir du coup que je suis trans et fluide. Du coup. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que bon, ça commence à se démocratiser, hein, les œuvres littéraires sur la commu, la transidentité, tout ça, mais bon, pour enfants, on ne fait pas encore trop de. On ne fait pas vraiment de choses qui leur parlent. Et, bon, la plupart, ou alors la plupart du temps, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est des personnes avec des petites communes, un peu comme moi en fait. Hein. Et je me dis, eh tiens, pourquoi tu ne ferais pas un recueil, en fait, un recueil d'histoires avec ces petites notes de musique où donc tu parlerais de. Des questions LGBTQI+, donc vraiment dans leur généralité, avec pédagogie et dans l'univers de ces petites notes de musique. Donc je leur ai créé du coup une ville. Donc là, c'est la carte, la toute première carte du monde d'EnoToons que j'ai faite. Ils vivent du coup dans une ville qui s'appelle Théoria. Pourquoi Théoria du coup? Parce que en gros Théoria de la musica en italien ça veut dire solfège. Et je me suis simplement dit que bah Théoria ça sonnait un peu ça sonne féerique, c'est plutôt pas mal. Bon, Théoria tout seul, ça veut juste dire théorie, mais on va pas se flageller non plus. Je trouvais juste simplement que ça collait à l'univers féerique, un peu enfantin que j'essayais de créer. C'est plutôt simple à retenir, ça chante bien, c'est pas mal. Et donc, bah, donc Théoria est composée du coup de le volcan des larmes brûlantes où du coup il y a la petite Notoun feu donc qui est en haut de la carte là sur le volcan que vous voyez. Ensuite en haut dans le ciel il y a la Notoun d'air qui est sur son petit nuage qu'on voit pas forcément très bien là à l'image. Sur la que je me trompe pas sur la droite de la carte vers le milieu là vous avez une Notoun bleue avec une petite fleur c'est la Notoun d'eau qui elle vit du coup dans près du lac du lac arc-en-ciel mais je vais pas trop détailler parce que là aujourd'hui je voulais vraiment faire sur les Notoun feu. En bas du coup au niveau des petites tentes vous avez la Notoun de terre et au milieu donc ça je vais pas encore trop en parler non plus là des petits globes mais vous voyez que vous avez une petite Notoun qui se promène près des arbres c'est la Notoun de plante. Voilà. Du coup, ça fait bah, les 5 types de Notoons que j'ai créés qui sont regroupés sur cette illustration qui est du coup la toute première carte de Théoria. Bon, c'est amené du coup à modification et tout ça, sachant que c'est un projet qui est dans les bacs depuis un petit moment, mais c'est juste que bah, j'avais pas eu le temps de m'en occuper à cause d'une. Une tendinite l'année dernière qui m'a bouffé 7 mois de mon année et du coup j'ai pas pu vraiment dessiner dessus donc j'ai fait beaucoup beaucoup de croquis et j'ai écrit l'univers en fait des Notoons donc vraiment tout ce qu'il y a à savoir dessus c'est-à-dire Théoria les interactions entre les Notoons et tout ça.
Donc c'est ouais, c'est vraiment vraiment complet parce que je veux que ça tienne la route, même si c'est pour s'adresser à des enfants de 6-10 ans. Je veux que les enfants puissent comprendre ce qu'ils ont sous les yeux et comprendre les différentes interactions, quels sont les rôles des Notoons, parce que bah forcément la Notoon de plante va pas avoir le même rôle que la Notoon de feu. On peut imaginer que la Notoon de plante bah, s'occupe des plantes, s'occupe de la verdure, s'occupe de la forêt, tout ça. Alors que la Notoon de feu va plus s'occuper de ce qui se passe dans le volcan, ce qui est lié à la chaleur, au feu. Et évidemment, c'est aussi, il a fallu travailler les interactions parce qu'il fallait que ce soit aussi logique que, par exemple, la Notoon de feu ne peut pas avoir de relation amoureuse avec bah, la Notoon de plante. Parce que si la Notoon de feu s'approche de la Notoon de plante, bah, elle la brûle, forcément. C'est un végétal. Donc voilà, c'est déjà très très creusé, hein, comme vous entendez. Là, du coup, je vais vous montrer. Je vais arrêter de blablater peut-être et je vais vous montrer en fait comment a évolué la Notoon de feu aussi. Du coup, donc on est parti de ce croquis-là. Donc ce croquis qui avait été fait vite fait avec un stylo à pointe, un stylo à cartouche, et où du coup j'avais vu qu'elle me plaisait vraiment beaucoup, je me suis dit et si je mettais de la couleur, donc j'ai pris mes marqueurs et voilà, paf, premier jet de couleur dessus. Donc voilà, elle avait une bouille assez rudimentaire, mais quand même tournée assez toon, hein, parce qu'il faut savoir que j'adore les univers cartoon, toon, tout ça. Donc du coup, je suis parti sur le fait de lui donner une bonne tête de toon, en fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, mais moi, on m'a fait pas mal remarquer que ça ressemblait aux notes de musique dans un des niveaux du premier Rayman. C'est pas du tout fait exprès, mais effectivement, une fois revu, bah, c'est vrai que ça se rapproche pas mal, mais c'est pas fait exprès. Et du coup, premier jet. J'ai fait aussi, je l'ai pas dit ça, mais j'ai fait des marque-pages en fait par rapport à mes premiers, tout premiers jets de Notoon que j'avais repris un peu à l'ordinateur. J'avais pas encore la technique que j'ai maintenant, mais du coup, j'avais créé ce marque-page. Donc ouais, là j'ai vraiment je l'ai retravaillé à l'ordinateur, j'avais refait le contour avec donc la petite tablette sans écran que j'avais avant et le logiciel je crois Krita et ouais j'ai essayé de m'inspirer et de faire un fond braise en fait. Donc fond noir avec des braises un peu partout sur le marque-page, histoire que bah, y ait une certaine cohérence et que le marque-page soit sympa. Vous pouvez toujours retrouver ce marque-page avec du coup les trois autres, parce qu'il faut savoir que la Notoon Terre n'existait pas à ce moment-là. Donc, comme elle n'existait pas, vous retrouvez le marque-page de la Notoon Feu, la Notoon Air, Plante et Eau sur ma boutique Ko-fi, du coup. Donc je les ai regroupés en un lot de marque-pages. Du coup, bah, si vous voulez vous faire plaisir et avoir un premier goodie Notoons, bah il y a le lot des quatre marque-pages sur ma boutique Ko-fi. Du coup, voilà. Je réfléchis. Et donc, on est passé ensuite à ce design.
Ce qui, celui-ci, il a été fait l'année dernière, du coup. Grâce à une amie, j'avais pu. J'ai acheté Colors Live. Enfin, je me le suis offert, du coup. Colors Live, qui est, du coup, un logiciel de dessin sur Nintendo Switch. Donc, en gros, le principe, pour faire court, c'est qu'on a un stylet qu'on peut connecter au port jack de la console et grâce à une certaine technologie, le stylet reproduit la pression qu'on met sur sur l'écran pour avoir un tracé comme sur une tablette graphique en fait. Et du coup, j'avais très envie de voir ce que ça donnait de dessiner une Notoon avec ce logiciel-là. Donc, j'ai fait celui-ci. Enfin, bon, si on compare à ça, clairement, il n'y a pas photo. On voit que déjà, il y a pas mal de nuances, il y a des ombres. L'effet de lave est vraiment pas mal. J'avais fait des petites bulles pour m'éclater en mode petite. Je l'imaginais dans le volcan, en fait, dans le volcan des larmes brûlantes, qui est du coup l'habitat des Notoons Feu. Et donc, je me suis dit, bon, bah, de la lave, des petites bulles, on fait des nuances, faut bien qu'on voit que c'est du feu, quoi. Ça doit péter les yeux et en même temps, ça doit être lisible que c'est du feu. Et donc, derrière, les sortes d'écailles, on voit que bah, enfin, du coup c'est de la pierre quoi. C'est bon, évidemment, sur le logiciel Colors Live, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de brosse de texture, donc on peut pas faire une brosse pierre très facilement comme sur un logiciel de dessin sur ordinateur, mais on arrive quand même déjà à obtenir des dessins hyper satisfaisants avec ce truc. Et franchement, je vous le conseille si vous avez une Switch parce que il n'y a pas de tablette graphique existante qui soit aussi légère qu'une Switch, on va se le dire. Et du coup, ça permet vraiment de faire des trucs sympa, si vous avez envie de faire des petits croquis mais sur écran dehors, c'est génial. Si vous avez le temps de vous poser dans un coin pour bah, dessiner, et voilà, vous êtes dehors, je sais pas, vous voyez un arbre, un lac, quelque chose, vous avez envie de le dessiner, bah, il vous suffit de sortir votre Switch, votre stylet, et puis pif paf pouf, voilà quoi, c'est génial. Donc voilà. Et donc ouais, du coup, cette Notoon sur Colors Live, sur la Switch, qui était déjà bien mieux dessinée que celle sur le marque-page que j'avais faite avant. On voit du coup que le style évolue au fur et à mesure, quoi. Du coup, je réfléchis. Et du coup, vient. Donc voilà, ça, du coup, c'est un croquis que j'ai fait l'année dernière. Quand j'étais pris par ma tendinite, j'ai fait énormément de croquis parce que ben, les croquis, c'était la chose qui me faisait le moins mal au poignet. Et du coup, ça me permettait de commencer à dessiner ce que je visualisais par rapport aux Notoons, dans quel décor ils évoluaient, leurs habitats, etc. Parce que oui, il faut savoir aussi que en plus d'avoir écrit leurs interactions entre elles et tout ça, j'ai aussi écrit comment dire, j'ai aussi écrit des légendes autour des Notoons, j'ai commencé à écrire des légendes et donc j'avais besoin de visualiser certaines choses, c'était primordial pour moi. Au bout d'un moment, à force d'écrire et d'avoir énormément avancé à l'écriture,
plus rien ne m'est venu en fait concernant leur univers et j'avais juste besoin de visualiser énormément, donc j'ai fait des croquis. Là, du coup, on est sur le croquis du volcan des larmes brûlantes que j'ai fait l'année dernière, donc c'est l'intérieur du volcan des larmes brûlantes, sachant que bah oui bon du coup la qualité est pas terrible de ce que je vous montre parce que bah il y a un petit trait de lumière là comme vous voyez c'est mon scanner qui a fait le trait de lumière hein, excusez-moi mais ouais du coup on voit qu'elles sont sur des espèces de pierres allongées pour dormir donc en fait en gros l'idée c'était qu'elles étaient encerclées par la pierre du volcan des larmes brûlantes. Tout au fond, on a la lave, tout ça, normal, hein, c'est un volcan. Et du coup, les escaliers, enfin les petits escaliers, mènent à des cavités à l'intérieur de la pierre du volcan des larmes brûlantes, où elles ont leur chambre. Donc, elles ont des pierres pour s'allonger, dormir et voilà quoi. Elles dorment là-dedans, allongées sur une espèce de grosse pierre. Enfin voilà quoi. Vu que c'est un peu la seule matière qu'elles peuvent pas vraiment brûler, il fallait un truc logique hein, pour qu'elles s'endorment. J'allais pas mettre un tas de feuilles. J'allais pas. Enfin voilà. Donc, une surface en pierre pour dormir, et voilà. Et donc, ça, c'est l'intérieur du volcan des larmes brûlantes. J'en ai représenté à plusieurs parce que, bah, comme je disais, il peut y avoir des couples de Notoons. D'ailleurs, sachant que la Notoons de feu, enfin, la Notoon de feu brûle, alors soit elle peut se mettre en couple avec une autre Notoon de feu, soit elle peut se mettre en couple seulement avec un autre type de Notoon, qui est la Notoon de terre. Parce que le feu et la terre, ça ne fait aucune réaction, et donc la Notoon de terre ne risque pas de se retrouver brûlée par la Notoon de feu. Faut que ça reste encore une fois logique dans les réactions élémentaires. Et voilà quoi. Donc ça c'est le croquis. Et du coup bah je vous montre ce que j'ai fait ensuite au niveau du digital. Donc on en revient à la partie digitale. En gros j'ai eu en novembre. Ouais, c'est ça, en novembre. J'ai eu le bonheur de pouvoir acquérir un iPad et le logiciel Procreate. Sauf que bon, on était fin 2021, je me suis dit que c'était pas la peine de relancer le projet Notoons fin 2021. L'année allait être bouclée, c'était pas. Enfin voilà, je préférais commencer l'année 2022 pour parler des Notoons, pour montrer ce que je faisais, et voilà. Donc j'ai attaqué en janvier des planches, comment je dirais ça, des planches émotionnelles ou des planches de positionnement par type de Notoons. Donc là, j'ai fait que la Notoon de feu pendant tout le mois de janvier. Je voulais vraiment pouvoir visualiser comment elle est de face, comment elle est trois quarts, le fait qu'elle puisse s'éteindre aussi. Les Notoons ne meurent pas, hein. C'est un récit pour enfants, donc on va pas être dans le glauque et de toute façon. Comment dire, le but c'est pas de raconter des choses très tristes, le but c'est vraiment de enfin, montrer aux enfants comment est la communauté LGBTQI+,
qui on est, de quoi on a besoin, répondre aux questions et de façon simple et pédagogique. Donc, faut pas s'attendre à des combats épiques et à la Notoun, elle va mourir. Et... Non, on n'est pas là-dessus. Enfin, peut-être si je parle de maladies rares ou quoi, mais ça reste à voir quand même. Mais donc voilà. La Notoun peut s'éteindre parce que tout simplement les Notoun d'eau existent, les Notoun d'eau sont très farceuses et elles adorent venir dans le volcan des larmes brûlantes pour gicler de l'eau sur la tronche des Notoun feu. Voilà, tout simplement, elles adorent arroser les Notoun feu et du coup, je suis parti du principe que la Notoun feu elle pouvait s'éteindre. C'est un peu comme quand on balance de l'eau sur du feu, sur un bûcher, ce genre de choses. Il reste des braises. Et ben là voilà. En gros, la Notoun de feu éteinte, c'est comme s'il restait des braises. Voilà. Donc elle est un peu noircie, moins, comment dire, moins vive au niveau des couleurs. Mais elle est toujours là, elle est toujours vivante, sauf que bon, ça l'emmerde bien, et du coup, les relations entre les Notoons d'eau et des Notoons feu, c'est pas terrible, parce que les Notoons feu, elles aiment pas se prendre de l'eau sur la tronche, c'est pas confortable pour elles, quoi, de plus ressentir trop leur chaleur et d'avoir une moins bonne température, quoi. D'ailleurs, on pourrait imaginer que ça pourrait les faire tomber malades et que c'est pour ça qu'elles sont pas trop friandes des Notoons d'eau, quoi. Et donc on a la Notoun de face, la Notoun de trois quarts, la Notoun éteinte et la Notoun de dos. Et ce qui est bien avec le logiciel, c'est que j'ai pas forcément eu à redessiner la Notoon's feu à chaque fois, quoi. C'est ça qui est génial. Ensuite, je me suis dit, une fois que j'ai eu les positionnements faits, tout ça. Je suis juste en train de regarder un truc. J'ai l'impression qu'on me voit plus trop bien. Je vais augmenter ma luminosité un peu. Ouais, non, c'est pas terrible ça. Bon, je suis un peu grisouille, mais je peux pas. Bref, voilà. Hop, je sais pas si vous me voyez mieux, mais voilà. Du coup, je disais, oui. En gros, après avoir fait la planche de positionnement, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire une planche plus émotionnelle, plus dans l'action. Histoire de voir comment elle pourrait réagir, comment elle pleure, comment. Enfin voilà. Donc j'ai fait quatre petites émotions-actions. Bon là déjà je me suis dit quand la Notoun de feu rentre en contact avec un végétal, elle le brûle. Ok. Mais du coup qu'est-ce que ça lui déclenche comme réaction en fait? Et je me suis dit, bon, elle pourrait être surprise. Parce que bon, c'est pas parce qu'elle est tout feu, tout flamme qu'elle est méchante. Et ça peut la surprendre de brûler les choses, parfois. Donc, j'ai dessiné un petit végétal à côté. Voilà, je vais agrandir, voilà. Donc, je dessine un petit végétal à côté, et puis je lui ai foutu le feu, et puis voilà, bon, trois petits traits noirs, et on a une Notoun surprise. Pourquoi j'ai fait ça aussi? C'est parce que la Notoun de feu n'a. Enfin,
Vous avez remarqué que l'Annotoun de feu a des flammes à la place des yeux, et je me suis dit, mais comment je traite cet aspect-là en fait? Comment je fais pour lui donner des émotions alors qu'elle a des flammes à la place des yeux? Faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait une réaction, faut que l'enfant, quand il regarde, il comprenne que l'Annotoun, elle est surprise. Mais comment je fais sans qu'il y ait vraiment des vrais yeux, on va dire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai bossé sur cette planche émotionnelle. Il fallait vraiment que j'arrive à visualiser comment je me dépatouillais avec ça. Et là, enfin, je trouve. Après, bon, moi, je suis peut-être pas objectif parce que c'est mon boulot, mais je trouve que j'ai réussi à lui insuffler justement cette émotion de surprise que je voulais. On voit bien que bah elle a le regard posé sur le petit végétal en feu, et puis elle est vachement surprise d'avoir déclenché cette réaction-là, quoi. Alors ensuite, on a la Notoun qui pleure. Bon, alors vous allez me dire c'est pas joyeux, mais c'est pareil, je me suis posé la question, à quoi ça ressemble une Notoun de feu qui pleure? Parce que on va être logique encore une fois, c'est du feu. Elle peut pas produire de l'eau. Si elle produit de l'eau, c'est qu'il y a un problème. Donc, forcément, fallait trouver une autre solution. La Notoun qui pleure, sans eau, qu'est-ce que ça peut donner? Bon, ok, alors elle vit dans un volcan, le feu, quand on met feu à quelque chose, ça produit des cendres, on peut imaginer que c'est des larmes de feu, mais si c'est du feu, ça ne se verra pas. Eh ben donc, des larmes de cendres. Voilà. Donc, une Notoun de feu qui pleure fait pleure de la cendre. Voilà. Bon, ok, encore une fois, c'est pas joyeux, j'aime pas du tout maltraiter mes Notoun, hein, on va se le dire. Mais il fallait que je visualise, quoi, parce que bon, c'est important, même si c'est pas forcément utilisé, de pouvoir visualiser tous les éléments pour que ce soit le plus crédible possible. Ok, alors du coup là, on passe à la Notoun mouillée. Que vous ne voyez pas trop parce qu'il y a ma tronche devant. Ouais, là, voilà. Je dézoome un peu. Voilà. Donc, la Notoun mouillée. Bah là, du coup, évidemment, elle est mouillée, donc elle est éteinte. Je me suis dit que j'allais plus la représenter dans l'action. Elle vient d'être trempée. Elle vient de se prendre une giclée d'eau par une Notoun d'eau. Elle est pas très contente. Elle est éteinte. Et bon, elle ruisselle d'eau, quoi. Et c'est pareil, je trouve que l'effet est pas mal. Les petites paillettes d'eau sont sympas. Et puis on voit bien qu'elle vient de se faire tremper. Elle n'est pas trop joie. Et voilà quoi. Ensuite, bon, alors là, c'est la Notoun effrayée. C'est-à-dire que bon. J'ai pas encore décidé qu'est-ce qui pourrait bien effrayer une Notoun de feu, parce que bon, la Notoun de feu, c'est un peu censé être la plus intense au niveau des Notoun, hein, parce que elle, on va dire, elle sort de son volcan, elle fait tout cramer, quoi. D'ailleurs, petite intermède. Les Notoons de feu ne sortent plus du volcan des larmes brûlantes une fois l'été arrivé. Parce que une fois l'été arrivé, on a le soleil qui intensifie la chaleur de leur corps, l'intensité de leur flamme, et elles deviennent dangereuses sans le vouloir. Donc, j'ai imaginé que les Notoons de feu
Une fois l'été venu, ne sortent plus du volcan des larmes brûlantes, c'est aux autres, nos Toons, de venir les voir. Bon, sachant que elles peuvent plus ou moins s'approcher selon le type de nos Toons, et que en plus de ça, du coup, elles vont. Comment je vais dire ça? Elles vont trouver du coup une autre façon hein, d'avoir des interactions avec les autres Notoons, mais du coup il faut savoir que y a que les Notoons de Terre qui peuvent continuer vraiment à avoir des contacts physiques avec elles et vraiment s'en approcher de très près en été, parce que c'est les seuls qui peuvent pas brûler quoi. Après, on a par exemple les Notoons d'air ne peuvent pas du tout s'approcher des Notoons de feu parce que bah elles se feraient complètement évaporer en fait. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que bon, les Notoons d'air ont pris l'habitude de faire des dessins dans le ciel pour manifester leur amitié aux Notoons de feu, leur faire des petits cœurs, des messages vraiment d'amitié dans le ciel pour leur montrer que bah, elles sont là quand même pour elles, mais elles peuvent pas s'approcher. Et du coup, bah, les Notoons de feu, en retour, généralement, leur offrent quelque chose. Qu'elle dépose au pied du volcan des larmes brûlantes, mais sans vraiment en sortir. Ça peut être une pierre qui vient du volcan, ou alors ça peut être, comment dire, une petite plante volcanique. J'ai pas encore vraiment inventé non plus de plantes qui pourraient y avoir dans le volcan des larmes brûlantes, mais il peut y en avoir. Il faut le savoir, faudra juste que je me penche sur le sujet, hein. Du coup j'y vais doucement mais sûrement. Donc voilà, donc la Notoon de feu peut être effrayée. Après, aller savoir par quoi pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais bon, on va bosser dessus, c'est modifiable, de toute façon c'est vraiment que le début du boulot dessus, et du coup. Tout ce que je dis là, tout ce que vous voyez là est modifiable sans problème, va évoluer dans les mois à venir et voilà quoi, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Du coup, je réfléchis. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Voilà. Donc, on en arrive à l'illustration du volcan des larmes brûlantes que j'ai faite. Alors, je voulais quelque chose de pas simple non plus, mais bon, voilà. C'est pour les enfants, ça ressemble à un volcan, il y a ses raccords parce qu'il y a des cailloux aussi à l'extérieur. La lave, je la trouvais vraiment sympa sous cette forme. Je me suis dit qu'il en fallait pas plus. Après tout, ça doit rester un volcan, quoi qu'il en soit. Bon, ça reste modifiable, mais moi, dans l'état actuel où il se trouve, je l'aime beaucoup. J'ai pas forcément envie de faire plus. Et voilà quoi. Après oui, peut-être que je le modifierai quand même, allez savoir, mais bon, moi là, je l'aime bien. Et du coup, on a l'intérieur du volcan des larmes brûlantes. Alors, je vous montre l'illustration quand même, mais elle va être retravaillée. J'ai eu pas mal de retours me disant que ça manquait de perspective. Malheureusement, je manque de practice sur la perspective pour l'instant. Donc, j'y touche plus et je la modifierai dans les mois à venir. Peut-être même je la referai en totalité vraiment quand je me serai fait la main sur la perspective.
J'avais juste besoin vraiment, vraiment de visualiser et de pas rester sur le croquis que vous avez vu parce que bah, c'est qu'un croquis, quoi. Moi, j'ai besoin de visualiser vraiment avec les couleurs et tout ça pour avancer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Du coup, donc, bah, on peut voir comme l'extérieur du volcan, hein, des pierres. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai fait les pierres une par une à la main. Plus jamais je fais ça. Et donc, on voit, là, je zoome, je zoome. Donc, on voit les Notoun allongés sur donc les fameuses pierres dont je parlais. Ça aussi, du coup, c'est un truc qu'il faut que je retravaille parce que je devais faire des cavités normalement dans la roche, ce que j'ai pas fait au final, mais ça va être retravaillé. Là, je voulais ouais, surtout bien bien visualiser ce que j'avais fait. Bon, on voit que le sol, comment dire, enfin le côté ne suit pas en fait sur le bas de l'image. La perspective n'est pas bonne non plus, mais pareil, on va retravailler. Je suis très très perfectionniste, hein, donc peut-être que vous vous trouvez ça parfait, moi pas du tout, mais la perfectionnite aiguë est aussi une bonne qualité, sachez-le. Donc ouais, donc on a, comment dire, on a le code couleur des Notoons Feu. Sachez que ouais, du coup aussi j'ai oublié de dire. Pour les personnes hein, qui hésiteraient peut-être à se mettre à Procreate ou à l'iPad et aux deux même d'ailleurs, Procreate propose du coup une option très intéressante, c'est-à-dire que on peut faire des palettes de couleurs personnalisées. Ce qui fait que maintenant que je me suis fixé sur les couleurs que je veux pour les Notoons Feu, j'ai une palette spéciale pour mes Notoons Feu. Je n'ai plus qu'à aller la rechercher et toutes les couleurs que j'ai utilisées pour mes Notoons Feu sont dedans. Ce qui fait que je ne peux pas me tromper. J'ai exactement les bonnes couleurs. Et donc, ce sont les couleurs qui ont été utilisées pour les planches émotionnelles, les planches de positionnement, pour l'extérieur du volcan. Et là, pour l'intérieur, du coup, la lave est de la couleur, enfin des couleurs que j'ai utilisées pour mes Notoons Feu. Mes Notoons Feu sont faites avec ces couleurs-là aussi. Et elle ne change pas, donc c'est bien parce que ça permet au lecteur d'identifier qu'on est bien sur les Notoons Feu à ce moment-là. C'est génial aussi. Donc voilà, donc bah, en fait on retrouve hein, exactement la même chose que j'avais faite sur mon croquis, en mieux évidemment, c'est-à-dire qu'on voit l'intérieur avec la roche, on voit les fameux escaliers, il faut que je travaille donc les cavités pour faire les sortes de chambres, d'ailleurs j'ai pas fait forcément le lit, c'est-à-dire parce que il devait y avoir un lit en pierre par-dessus, j'ai pas fait. Faudra que je le fasse du coup aussi. Faut que je retravaille la perspective. Mais donc au fond, on a aussi du coup la lave, du coup, avec les bubules et tout. Et une espèce de terre noire, grisâtre, un peu volcanique, quoi, pour imager le fait que bon, il y a forcément un sol hein, aussi dans un volcan, et généralement les sols des volcans sont un peu cramés quoi. Donc voilà, donc c'est bah, du coup c'est cramé. Je réfléchis du coup à ce que je pourrais vous dire d'autre sur les Notoons de feu. Ça va bientôt faire 1 heure. Que je tataille, n'empêche, mine de rien. Ta 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 ta. Oui, donc comme je disais,
elles sortent de leur volcan que pendant l'hiver. Et du coup aussi, oui, quand il neige, chose à savoir, quand il neige à l'extérieur en hiver, bah forcément, du coup, la neige les éteint un peu, et pas trop, mais ça, on va dire que ça permet de contenir leur flamme, leur température, à une température assez viable pour qu'elle fasse pas de dégâts autour d'elle, quoi, surtout. Ensuite, je cherche ce que je n'ai pas dit. Oui, aussi, j'ai oublié de dire que les Nothoons de plantes et les Nothoons de feu entretiennent une relation commerciale aussi, c'est-à-dire que y a de la végétation qui pousse bah, dans le volcan des larmes brûlantes, comme j'avais dit juste avant, même si j'ai pas encore inventé la végétation. Ce sont du coup des plantes très rares qui ont une grande valeur parce qu'elles ne poussent que à cet endroit-là. Donc, il n'est pas rare que les Nothoons de plantes et les Nothoons de feu fassent des échanges commerciaux autour de ces fameuses plantes. Oui, et aussi, du coup, les Nothoons de terre ne sont pas que un love interest pour les Nothoons de feu, parce que, en gros, les Nothoons de terre ont le rôle des sages dans Théoria. Donc, c'est-à-dire que les Nothoons de terre, ce sont celles qui s'occupent de la médiation des problèmes entre les Nothoons. Et donc, ce sont les seuls qui arrivent à calmer assez facilement les Nothoons de feu pour apaiser les soucis qu'elles ont avec les Nothoons d'eau. Et c'est généralement grâce aux Nothoons de terre que les Nothoons d'eau et celles de feu arrivent à se relier d'amitié, même si ça dure jamais très longtemps, malheureusement. Mais voilà. Je réfléchis, je réfléchis. Ah, du coup, j'ai. Enfin, je crois que j'ai fini et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les Nothoons de feu, en fait. Du coup, merci beaucoup d'être passé. Bon visionnage de la rediff si vous n'avez pas pu voir le live. Et puis, passez une bonne soirée. Et on se retrouve samedi, du coup, pour la suite d'Ever Oasis. Je vous fais des bisous, salut!